Et quand vous êtes eu en ligne, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Elle m'a d'abord envoyé un message sur les réseaux, justement, en disant, voilà, je suis Audrey, j'ai été avec cette personne pendant de telle date à telle date. Et toi? Et voilà, donc j'ai répondu, j'étais sous le choc, j'étais au travail, donc je ne pouvais pas l'appeler tout de suite. Ça ne m'a pas forcément surprise. À cette époque-là, bon, c'est quand je m'étais séparée de lui, donc je n'étais plus avec. Malgré tout, il me relançait chaque jour. Mmh. Il essayait de me récupérer. Et on s'est tout de suite appelé une heure après pour débriefer, en fait. Pour débriefer ou pour comparer nos devis? Les deux. Et là, vous avez réalisé quoi? Là, on est un peu tombé de haut parce qu'on a vraiment mis l'histoire bout à bout. Oui. On a refait le puzzle, en fait. Voilà, on a refait le puzzle. Donc, on s'est aperçu que, effectivement, les fois où il était censé partir en week-end avec ses amis... Il était avec l'autre. Voilà, l'une ou l'autre. On a eu les mêmes cadeaux à Noël. Donc, je pense qu'il a fait... pris de gros. Voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Vous aviez les mêmes cadeaux de Noël? Exactement, ouais. Les mêmes cadeaux à Noël. Comme ça, il était sûr de ne pas se tromper. Une belle boîte de chocolat et un plaid. Voilà. Ah ouais, les mêmes cadeaux. Il est exactement la même couleur, tout. Ouais. Ah ouais. Il y avait quoi d'autre en commun? C'est tout. Ah bah, au niveau des cadeaux, oui, ça. Après, on a su qu'on partageait les mêmes fantasmes. Enfin, qu'il avait les mêmes fantasmes, qu'il faisait les mêmes, réalisait les mêmes fantasmes avec l'une puis avec l'autre, voilà. Dans les mêmes endroits avec l'une puis avec l'autre. Ah ouais. Enfin voilà, donc on a partagé énormément de choses. Hein. Ça allait très très loin en fait après. Ouais. Et les messages, vous avez comparé vos messages? Alors là, on se les dit oralement. Après, effectivement, elle m'a envoyé des photos quand elle est partie en vacances avec lui pour me dire voilà, là c'était à cette période, donc c'était. À la période de mes 30 ans, en fait, le jour de mon anniversaire, il est parti en vacances avec Pamela. Sympa. Voilà, joyeux anniversaire. Oui. Donc, on s'est envoyé les photos, effectivement, on s'est envoyé les messages. Ah ouais, non, mais c'est la dégringolade absolue. Et voilà. Puis, ah ouais. Et on a pris une. Tout dans la tête. J'ai pris toutes les photos d'Audrey en pleine face et elle, pareil, elle a pris les miennes. Vous n'avez pas décidé de vous venger un peu ou de piéger cet homme-là? Alors, bizarrement, en fait, dès qu'on s'est appelé avec Pamela, il n'y a eu aucune animosité entre nous. Ouais. Hein. On n'a pas eu... On était plus... Deux victimes. Voilà, compatissants l'une envers l'autre. Dans la solidarité, voilà, il n'y a pas eu de virulence ou d'insultes. Voilà, on s'est rendu compte qu'on était dans le même bateau et qu'on s'était fait piéger par la même personne. Donc là, on a proposé, effectivement, de lui tendre un piège, si on peut dire, d'aller toutes les deux au même... même rendez-vous, au même moment avec lui, sans qu'il s'y attende, bien sûr. Audrey était retournée avec lui, mais moi, je n'étais plus en couple. Donc, je lui ai dit, écoute, si vraiment l'histoire est vraie, je vais lui proposer un rendez-vous et il va accepter. Donc, il a accepté de suite. Il m'a dit, viens ce soir et prends ton pyjama. Donc, c'était très, très explicite. Et Audrey est arrivée... assez tardivement dans la soirée, après mon travail. Et donc, j'avais prévenu Pamela. Hein. Je lui avais dit, ne tiens pas compte des propos que je vais tenir. Je vais être assez virulente dans mes paroles. Voilà, ce n'est pas dirigé contre toi. On se tenait au courant dans la soirée par SMS. En me disant, et il a débarqué. Vous avez débarqué. Alors, moi, je suis arrivée. Donc, j'avais préparé déjà tout un sac avec toutes ses affaires. Hein, parce que je savais qu'à partir de ce moment-là, moi, ça allait être terminé. Sachant que la veille, j'étais la femme de sa vie. Et que le lendemain, il était dans le lit avec une autre. Enfin, c'est impossible. Donc, du coup, je suis arrivée. J'ai frappé très violemment à la porte en demandant qu'il m'ouvre. Il n'est pas venu. J'ai attendu. Il est finalement sorti parce que je commence à faire un petit peu du bruit dans la rue. Donc, moi, je lui ai dit, il faut aller voir, hein, ça frappe quand même à la porte. Voilà. Donc, pour éviter un petit peu le scandale et que les voisins sortent, il a ouvert la porte, qu'il a refermée derrière lui, sans me laisser rentrer. Hein, alors qu'il évidemment, puisque vous savez qu'il ne fallait pas que vous découvriez là derrière. Et donc là, j'ai fait l'innocente en lui disant, je peux rentrer en fait, il fait froid, voilà, viens, on va discuter. Donc là, il a commencé à me dire non. Donc j'ai fait, je ne comprends pas en fait, laisse-moi rentrer. Donc là, il insiste en me disant que non, je repars chez moi et que je le laisse tranquille. Donc là, j'ai dit... non, mais tout seul. Ouais, t'es pas tout seul, c'est une plaisanterie. Je dis, il y a une voiture qui est garée devant chez toi, en fait. Laisse-moi rentrer, je veux la voir. Donc là, il a commencé à être un peu plus virulent, à pousser, à pas vouloir que je passe. Donc je lui ai dit, écoute, c'est simple, tu veux pas aller la chercher, je vais l'appeler, je vais lui demander qu'elle sorte. Et là, il m'a dit, oui, bien sûr. Sauf que vous avez fait ça. Voilà, j'ai envoyé un message à Pamela, je lui ai dit, maintenant, viens.
Et là, elle est arrivée en ouvrant la porte. Donc, on ne s'était encore pas vus. Hein. Ouais. Et, sur notre première rencontre. Voilà. Je reverrai toujours la tête de Pamela qui ouvre la porte. Oui, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je jouais le jeu. Hein. Il a dû se décomposer. Je jouais la comédie. Ouais. Je me suis... bah, c'est qui qui est-ce? Ah ouais. Mm. Donc là, il a dû être tellement mal, mais tellement mal. Il s'est décomposé. En plus, je le revois avec son peignoir, là. Il faisait moins 10 dehors. Et des... Alors non, justement, c'est ça le pire. C'est qu'il n'était pas... Au début, il est resté un peu tout bête. Et après, en fait, j'ai repris une phrase, puisque avec Pamela, on s'envoyait les messages qu'il nous envoyait. J'ai repris un terme qu'il lui avait dit dans certains messages en lui disant que lorsqu'il l'a croisé, son cœur palpitait. Donc là, je lui ai demandé si effectivement, en me voyant dans cette situation, son cœur palpitait aussi. Donc là, il a explosé de rire en comprenant en fait qu'on s'était contacté avec Pamela. Ouais. Et là, il nous a regardé en disant « Je suis tellement soulagée de voir que ben, vous vous entendez bien, en fait. » Oh là là, vous il est bon, lui là-dessus. Ah, mais il est bon, lui. Ah oui, bon. C'était et un là, et là, on nous a offert un verre. Un verre de l'amitié. Oui. Donc, mais non. Et, ah bah, ouais. Et en même temps... On était dehors. Le tout pour le tout, après tout, il a joué carte. Enfin, il a tenté sa chance. Et alors, vous avez bu un verre tous les fois ? On est rentré chez lui, parce que bon, c'est vrai qu'il faisait quand même très froid dehors. Et donc, on a trinqué. Hein, et tous les trois. Tous les trois. Mais genre, lui, très gêné, mais nous deux, vraiment dans l'ironie, hein, en disant allez, vive les infidèles. Enfin, on y allait bien. Mais après, vous êtes partis toutes les deux, vous avez claqué la porte, on est quand même. Non, pas tout de suite. On est resté pendant une heure. Et là, ça a été le festival, en fait. On a cherché à avoir des explications, mais c'était un mur, en fait. C'est ça. Il était droit dans ses bottes. Hein. Oui, ouais. Mais pas d'excuses, pas de remords, rien. Je veux dire, pendant une heure... Il vous a dit « je suis amoureux des deux » Alors, comment ça s'est passé? Non, Il l'a dit après, je pense. Non, il était tellement dégoûté, en fait, que limite, il n'était plus du tout amoureux d'aucune. Hein, donc, non, là, il savait que c'était fini. Donc, Là, il s'est dit « j'ai joué, j'ai perdu ». Et donc, vous êtes partis tous les deux? Alors, au début, on lui a dit « ben voilà, on t'offre l'occasion de réaliser ton fantasme avec les deux femmes de ta vie. » Voilà, on est là. Un plan à trois, voilà. Vous n'alliez pas le faire? Vous n'alliez pas le faire? Non, pas du tout. Ah, oui, non, c'était ironique. Hein. Ouais. Et... Mais pas de réaction. Il pas a de réaction. Senti que c'était ironique? Oui, oui. Et c'était pour voir vraiment le piqué qui est une réaction. Et en fait, du début à la fin, mais il n'a eu vraiment aucune réaction. Il a pas... Ah oui, d'accord. Zéro émotion. Il n'a pas accepté. Ouais, non, okay. Zéro émotion, vraiment, ouais. Donc là, pendant une heure, où moi, je lui en mettais... la figure. Et je défendais Pamela en lui disant « mais tu te rends compte ce que tu lui as fait ?» Et inversement, en fait, Pamela prenait ma défense et ça a été ça pendant une heure. Et il n'a rien lâché. Dit. Et du coup, après, effectivement, au bout d'une heure, moi, j'ai dit « c'est bon, j'ai plus rien à faire ici. » Je dis « Pamela, toi, tu... » Fais ce que tu veux. Voilà, ça te regarde. Maintenant, si toi, tu veux continuer, je te le laisse et tout à toi, quoi. Et puis finalement, elle m'a suivie, on est partis. Et on a continué de discuter dehors. Et ça a été le début d'une... Belle amitié, c'est ça qui vous unit aujourd'hui? Alors au début, c'est vrai qu'on partageait la même peine. Hein, et par la suite, en fait, donc tous les jours, je pense qu'on avait besoin, entre guillemets, de se faire du mal. Donc on continuait de s'envoyer les messages qu'il pouvait nous envoyer. Parce qu'après, donc, il nous a relancés aussi. Hein. Les deux? Ouais.